since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une brosse à dents connectée de la marque Oclean, modèle Z1. Je l'ai achetée sur Gearbest pour 36€. Elle m'a été livrée directement via l'Allemagne, donc aucun frais de douane, hein, aucun risque de frais de douane. En général, pour ce genre de produit, il n'y a aucun risque. Donc comme d'habitude, on va regarder l'application. On va aussi faire un petit tour de la boîte. Bon, il n'y a pas grand chose apparemment comme ça. Et on va voir un peu les caractéristiques de l'application. Passons au petit déballage. Donc c'est une boîte en carton très simple, hein, à part qui est écrit ici au Oclean Z1 en anglais white et pink, donc blanc et rose. Moi c'est le modèle blanc. Donc ici on a quand même une belle boîte à l'intérieur, donc c'est juste la boîte en carton qui est protégée. Donc Oclean fait quand même des bons produits, ils sont spécialisés dans les produits, dans les brosses à dents connectées. Donc la particularité de cette brosse à dents, c'est que on a 20 options de brossage, elle détecte les mouvements de brossage, elle a 32 niveaux d'intensité également. Et elle a toute la nouvelle technologie, elle se recharge en moins de 2 heures, elle a une batterie de 800 mAh, donc ça nous permettra de apparemment d'après eux de tenir plus de 30 jours de brossage. Donc IPX7 c'est normal pour une brosse à dents, donc vous pouvez la plonger dans l'eau, il n'y a aucun risque. Elle a tout ce qu'il faut. Donc comme on voit, bon, c'est une jolie boîte sobre, hein, couleur gris comme ça, Z1, donc bien sûr il y a du chinois, mais sinon ça reste sobre et c'est beau. Donc on peut l'utiliser, donc l'application est compatible avec Google et Apple, hein, donc les smartphones Apple aussi, et les smartphones Android. Donc on va faire le petit déballage maintenant. Donc j'ai été chercher le petit tuteur, hein, parce que le film plastique il a l'air assez bien collé. Voilà, c'est très très léger, hein. Ça pèse pas pratiquement rien, donc en voyage vous pouvez la prendre sans problème. Voilà, ça s'ouvre par le dessus. Il n'y a rien dans la boîte, hein, rien de spécifique. Donc ici, ils nous mettent un joli carton avec les donc des petits dessins de ici le bouton power, sûrement une touche sensitive. Donc on va vérifier ça, j'en sais pas plus, hein, j'en sais pas plus, j'ai commandé, ma femme voulait une brosse à dents connectée, elle était jalouse de ma brosse à dents, la Soaker X3, donc c'est ça qui pèse le plus, hein, bien sûr. Donc dans la boîte, donc un beau manuel, anglais-chinois, il n'y aura pas de français, hein, que de l'anglais et du chinois. Donc là, donc ce sera l'application Oclean. Et je l'ai pas encore téléchargé, donc ils ont une page Facebook. Ok. Tête de brossage. Donc ils nous fournissent une tête de brossage, ce qui est déjà bien. Qui s'insère comme ça. Hop. Voilà. Donc la tête est assez grosse. Donc les poils sont bien. Donc la base de recharge est vraiment minime. C'est peut-être le petit inconvénient qu'on va voir. C'est vraiment petit. Mais c'est bien. Ça c'est aimanté comme ça. C'est parfait. Mais c'est bien, on peut la mettre dans n'importe quelle position. Ça prend pas de place.
Donc c'est bien et pas bien, mais c'est bien, c'est discret. Ça prend pas de place dans son tiroir et tout, parce que c'est vrai que avec la Socket X3, il est un peu gros le chargeur. Ça prend un peu de place. Bon, on va voir s'il y a un peu de batterie et on va procéder à la connexion. Donc il y a bien de la batterie, on va procéder à la connexion à l'application. Yeah. Okay. Je vais rechercher l'application sur le Play Store, taper Oclean. Faire recherche. Donc c'est le premier, donc on voit, hein, c'est le premier. L'application Socket ici. C'est celle que j'utilise aussi, hein. On n'est pas obligé d'utiliser l'application Mio, mais avec la Socket, on peut utiliser l'application Socket directement. On peut utiliser les deux en même temps, hein, sans problème. Donc je clique sur Oclean. On va faire installer. Ça devrait s'installer assez vite. Comme ça vous voyez directement sur quoi je tombe à la connexion. Donc ici c'est une découverte, hein, une présentation de la brosse à dents. Je vais pas aller plus loin. Je vais juste vous dire mon avis si ça brosse bien les dents ou pas. Mais Oclean c'est connu pour ça, donc il n'y a aucun souci. Donc on ouvre. Hop. Bon, rien ne se passe pour l'instant. Ok. Petite présentation. Expérimenter là maintenant. Donc l'application elle sera en français, c'est bien. Donc là, il faudra s'inscrire. Donc je vais m'inscrire et une fois que je me suis inscrit, on se revoit. Donc voilà, j'ai reçu l'email de confirmation à l'inscription, j'ai validé l'email, hein, j'ai validé l'inscription et on peut se connecter directement, c'est très rapide. Donc c'est l'opération, c'est moins de l'email et tout, allez, moins d'une minute. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette application. On peut changer le fond s'il nous plaît pas. On peut ajouter aussi un fond d'écran pour l'application, hein, pas pour votre smartphone. Ici, on a quoi? Petit logo. Bon, on va autoriser. Vous n'avez encore lié aucun appareil. Voulez-vous lier un immédiatement? OK. Donc, on va le lier. Veuillez sélectionner votre identifiant de brosse à dents. Oclean Z1. OK. Ben, c'est bien, là, apparemment, elle reste connectée. Donc on a attendu un petit bip comme quoi la reliure a réussi. Voulez-vous définir d'informations d'utilisateur? Configurer maintenant. Donc là il demande la date de naissance. Donc je vais zapper. Info de brosse à dents. De brosse à dents. Donc dents entachées par la fumée, ordinaire, dents corrigées, dents mal formées, dents ordinaire. Fumeur, après boisson du thé, après boisson du café, après boisson du vin rouge. Aucune préférence particulière. Ouais, donc ok. Degré de blanchiment des dents. Donc ça, comment ils peuvent juger ça? Disons. Comment on peut voir ça? Non, ils sont pas jaunes comme ça quand même. Moi, ils restent assez. Ni blanc, ni. Ni blanc blanc comme ça, là c'est vraiment blanc celui qui a comme des dents comme ça blanches. Comment on peut. Je vais mettre comme ça par doute. Recommandez pour vous selon vos habitudes. Programme de nettoyage standard quotidien. Force et durée de nettoyage modérée. Convient aux personnes ayant des gencives en bonne santé et des dents. Utilisez maintenant. Donc sûrement dans les paramètres on pourra régler ça. Mais bon, c'est une découverte, hein, je découvre comme vous. Durée de brossage, effet de nettoyage, tête de brosse utilisée, 0 jour, l'histoire. Donc la traduction un petit peu, à la place de dire historique, ils ont mis l'histoire. Ok. Donc on est bien sur la bonne date. Faites glisser à l'écran vers le bas pour mettre à jour les données de brossage. Donc ça c'est les notifications. La batterie, bah, elle est à 100%. Donc je ne l'ai pas rechargé ni rien, j'ai reçu, j'ai déballé comme vous avez vu.
Donc activer, désactiver l'accélération Bluetooth, activer l'accélération Bluetooth pour accélérer la mise à niveau du micro-logiciel. Rappel de changement de zone, les brosses à dents vibrent toutes les 30 secondes, ce qui indique que vous devez modifier la zone de brossage. Donc oui, donc toutes les 30 secondes, la vibration, donc il y a un petit changement, donc ça indique que vous devez changer de côté de brossage. Réduction de fréquence pendant la suppression, donc cette protection est activée lorsque la force de nettoyage est réglée sur 24 ou plus. Réduction de fréquence pendant la suppression. Temps de synchronisation, j'ai pas compris. Hein. Temps de synchronisation, donc veuillez actualiser manuellement pour calibrer l'heure avec votre téléphone, on s'en fout de ça. Info de brosse à dents, ok. Ok, il n'y a rien de spécial. Hein. Période de garantie 12 mois, ok. Garantie chinoise. Version actuelle du micro-logiciel, il y a une mise à jour ou pas? Aucune ou aucun nouveau firmware disponible pour le moment. Ok, il n'y a pas de mise à jour. Donc elle est récente, hein, elle vient de sortir la brosse à dents. Hein. Elle était encore en précommande, donc je l'ai précommandée et je l'ai reçue. Est-ce qu'on peut faire des réglages ici? Non, c'est faire aucun réglage là directement. Donc, en tout cas, j'ai rien senti. Bon, on peut rien faire d'autre. Non, programme. Programme de nettoyage standard quotidien. 2 minutes. Blanchiment de force moyenne. 2 minutes 30. Blanchiment super puissant. Nettoyage sensible. 3 minutes. Nettoyage standard. Nettoyage standard. SPA. C'est quoi SPA? Je sais pas. Comme là, c'était écrit. Donc, fournit le nettoyage, le blanchiment, le massage avec une force modérée. Fournit le nettoyage, blanchiment de massage avec une force modérée. Donc c'est pareil. Nettoyage standard, je vois pas la différence. Blanchiment débutant. Force de nettoyage doucement associée au mode de blanchiment léger convient aux personnes qui ne peuvent pas s'habituer au programme avec force générale. Nettoyage des appareils orthodontiques. Force légèrement associée et longue, ok, etc. Donc il y a plein de modes de nettoyage. Ça c'est bien, chez Soquet on n'a pas tout ça, c'est plus simple, c'est une brosse à dents, on appuie, il y a quelques réglages, hein, ce dent sensible, etc. Mais pas plus, ici on a vraiment beaucoup de réglages. Mon appareil, donc ça c'est la page qu'on avait vue, état des dents, donc ça c'est le réglage ici, on pourra régler, donc c'est ça, on peut régler l'intensité de blanchiment, donc on peut régler, hein. Donc ça peut... On peut faire changer les réglages. Et c'est tout. Hein. Là, je peux changer mon avatar. Je peux changer le prénom. Dans paramètres à propos de nous, retour d'information, utilisation à l'aide, politique officier. Ok. Voilà, l'air, pour moi, elle a l'air très très complète. Assez simple. Une fois qu'on a fait les réglages que l'on veut. Si je fais ça, utiliser maintenant. Programme synchronisé avec succès. Donc ça synchronise tout de suite. Donc c'est vraiment rapide. Donc c'est vraiment beaucoup plus efficace que la Soquer. La Soquer, ça reste encore une ancienne technologie. Là, je suis quand même étonné de l'efficacité. La connexion en Bluetooth aussi, qui est très rapide. Donc je vais effacer l'application ici, voilà. Et je vais me reconnecter pour voir le temps que ça prend. Hop, et ça se connecte. Ça se connecte vite. Un point, programme de nettoyage standard quotidien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire comme ils ont dit. Mon appareil. C'est pas ça. Filtrage des enregistrements, je vais faire ça. Voilà, comme ça, ça n'enregistre pas les petits. Et ça effacer ici, apparemment, les petits brossages. Donc ça, c'est parfait. Ça c'est bien, je vais prendre programme nettoyage standard quotidien, blanchiment de force moyenne, blanchiment super puissant. Je vais mettre ce mode là, voilà, nettoyage sensible. Le moteur fonctionne d'une manière spéciale conçue pour les personnes ayant des dents sensibles. Ouais non, il y a plein de modes, hein, je suis épaté. Donc c'est une bonne découverte, il faut juste voir si le brossage...
Ça vibre pas fort en main. Et regardez la tête qui change de mode. C'est impressionnant. La Soker fait pas ça du tout. On m'a dit que du bien d'Oclean. Je suis impressionné. J'en achèterai bien une autre pour remplacer ma Soker ici, la Xiaomi Soker. Hein. Je vais voir au niveau brossage. Parce qu'à 36 euros, ça a l'air un bon compromis. Il faudra vérifier la batterie et tout. Donc vous allez pouvoir me poser des questions à tous les objets que j'achète et que je vous présente. Je les utilise pour moi ou c'est ma femme. Mais bon, ça revient au même. Hein, on en parle s'il y a un souci ou quelque chose. Donc moi, je peux donner toujours un retour de mes objets. Donc c'est vraiment sympa. Ça vibre pas trop, hein. C'est classe, ça change. Comme il dit, ça change, on voit le niveau. Et on peut, si on change les mouvements, apparemment il y a une reconnaissance des mouvements. Ouais, c'est sympa, c'est super sympa. Donc il faut pas, hein, les brosses à dents connectées, il faut pas utiliser le téléphone devant soi pour regarder. Non, vous utilisez comme une brosse à dents normale, et une fois que vous êtes brossé dedans, le soir, allez, disons que vous avez un petit moment, vous regardez un peu ce que vous avez fait. La durée de brossage, l'effet de nettoyage, on peut regarder ici, pas de données, hein, pour l'instant il n'y a pas de données. On va regarder ça plus tard, mais ça a l'air très très bien, très efficace. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous ont acheté l'autre modèle Oclean et vous étiez quand même satisfait. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Il y avait un grand succès sur le blog. Donc elle m'a quand même un petit peu impressionné. 64 points, blanchiment super puissant. Le meilleur score d'aujourd'hui, 64 points. Donc apparemment, ça vous donne des scores. Ah, ça a mis 2 minutes 10. 66% effet de nettoyage, comme ça on pourra regarder un petit peu. Durée de fonctionnement de la brosse à dents, insuffisant. Pression, petit, donc j'ai pas appuyé. Et couverture modérée, donc il y a un capteur de pression apparemment. Et couverture modérée, donc c'est à peu près par rapport au mouvement que j'ai fait avec ma main si je suis passé partout dans la bouche. Donc elle a bien une technologie d'intelligence artificielle, comme ils disent. Ça à voir avec le temps. Donc moi pour l'instant je suis impressionné. Faut voir dans le temps qu'est-ce que ça donnera. Mais pour l'instant le chargeur me paraît petit au départ, mais pour les voyages et tout ça me paraît super bien. Et pour ranger dans les armoires, dans les petites armoires et tout ça, c'est pratique. Donc c'est pas encombrant. Donc finalement pour moi ce sera un bon point. Et la batterie, elle est longue durée. En plus, ils me l'ont livrée chargée. J'ai même pas besoin de la charger au démarrage. Donc, parfait. Donc, bon, on m'avait dit que du bien d'Oclean. Bon, je suis content. Pour l'instant. Hein. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, je remercie comme d'habitude les anciens d'être fidèles. Les nouveaux de vous abonner et d'avoir regardé. Un grand merci à vous. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell.